Sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du Petit Lenormand. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va partager ensemble les connaissances du Petit Lenormand et aussi vous donner des petites techniques pour améliorer votre interprétation de cartes et rendre votre tâche beaucoup plus facile. Je vous remercie encore pour vos merveilleux commentaires de chaque semaine et sachez que je prends le temps quand même de tous les lire et d'y répondre par un petit cœur, par un petit pouce bleu ou tout simplement je poste aussi des commentaires en retour. Pour le topic de cette semaine, nous allons parler des personnes de votre entourage dans le Petit Lenormand. Donc vous savez que le Petit Lenormand c'est un jeu qui est très riche. Et on peut, dans nos tirages, y rencontrer des gens de notre entourage, comme nos parents, comme nos sœurs et frères, un ex ou un futur amoureux. Donc la question est, comment vais-je les reconnaître quand je vais les voir dans les cartes? Donc cette vidéo a pour but de vous faciliter la tâche et de vraiment vous donner des conseils et vous donner les clés pour pouvoir facilement reconnaître ces gens. Nous commençons par les consultants et les consultantes. Ces cartes ne changent jamais. Donc le consultant, l'homme qui interroge les cartes, est toujours représenté par la carte numéro 28. Et la consultante devient alors une femme qui est proche de lui, ça peut être une épouse. Et si c'est une personne qui est célibataire, ça peut être une femme importante dans sa vie et les cartes qui seront autour pourront déterminer à ce moment-là qui elle est vraiment. Quand c'est une femme qui interroge les cartes, elle est automatiquement représentée par la carte numéro 29, la carte de la dame, la carte de la consultante. Et la carte numéro 28 à ce moment-là peut représenter un mari, un compagnon ou si la personne est célibataire, un homme important qui joue un rôle important dans sa question ou dans sa vie et les cartes qui sont autour vont pointer du doigt qui il est et quel rôle il a à jouer. Et ces consignes ne changent jamais. Ces cartes sont des cartes fixes, elles n'ont pas d'autre signification que celle que je viens de vous donner. Maintenant, on va parler des parents. Les parents du consultant ou de la consultante sont représentés par la carte de la maison pour le père, le roi de cœur, et la carte de la cigogne, la reine de cœur, pour la maman. Quand on parle des grands-parents, on va retrouver le couple des fleurs, qui sont le lys et le bouquet. Le roi de pique et la reine de pique vont représenter les grands-parents du consultant qui vient vous poser la question. Poissons et les chemins sont maintenant des parents par alliance. Ça peut être des tantes, ça peut être un oncle par le roi ou la reine de carreau. Et les cartes qui sont autour vont pointer du doigt quelle relation familiale ces deux personnages ont dans votre tirage. Quand on parle de frères et des sœurs, ils vont être représentés par la carte numéro 12, la carte des oiseaux. Quand on parle d'une ex-compagne, d'un ex-mari, d'une personne avec qui on a eu une relation ou une personne avec qui on a une relation qui n'est pas définie, on va retrouver les nuages et le serpent, le roi de trèfle et la dame de trèfle. Quand il s'agit d'un futur compagnon, d'une âme sœur, il sera représenté par le chien, l'ami le plus fidèle de l'homme. Quand il s'agit d'un amant de passage, d'une amourette, d'une liaison, cela va être représenté par la carte numéro 1, le cavalier. Avec toutes ces descriptions bien en tête, maintenant vous pourrez facilement reconnaître qui est qui
dans le tirage du Petit Lenormand. La question de la semaine, elle nous vient d'une de nos abonnées qui nous pose une question très très intéressante. Elle me dit que quand elle a lu les cartes pendant un long laps de temps, même si elle a nettoyé, rechargé ses cartes, elle trouve que quand même les cartes ne lui disent pas vraiment tout, que la communication est un peu brouillée. Donc, elle me demande est-ce que cela m'est déjà arrivé et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, surtout quand je fais des grandes journées où je fais plusieurs tirages. Et à la fin, c'est vrai qu'on se sent un peu vide. On se sent un peu vidé parce qu'on a utilisé beaucoup d'énergie. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas que purifier ses cartes. Il faut vraiment prendre un break parce que là, le cerveau lui-même, il s'est concentré pendant un très grand laps de temps. On s'est ouvert aussi à notre intuition, donc on a un peu trop travaillé notre cerveau. On a besoin de changer un peu d'ambiance, de changer un peu d'environnement. Donc ce que je conseille de faire à ce moment-là, c'est de prendre un break, de boire un peu d'eau, d'écouter de la musique, de méditer, de sortir, de s'aérer, de prendre à peu près une heure de pause, et après on peut recommencer à travailler avec les cartes. C'est très très important de se recharger. Purifier ses cartes, les recharger, c'est bien, mais il faut aussi se recharger soi-même. Donc, moi, ce que je fais souvent quand je vais en consultation, c'est que j'emmène toujours de la sauge, j'emmène toujours des bougies, et après mes consultations, je prends vraiment un petit temps pour faire un petit rituel de purification. Et cela me permet de recharger mes batteries et de pouvoir, comment dire, être au meilleur de ma forme pour pouvoir donner des consultations précises et détaillées. Essayez cette petite technique et vous verrez que les choses iront beaucoup mieux. Alors, nous sommes arrivés au tirage des énergies de la semaine. Alors, comme toutes les semaines maintenant, je vais faire trois tas. Vous allez choisir un tas qui va représenter votre semaine. D'accord? Et j'ai décidé d'utiliser mon petit Lenormand vintage de Louis. Parce que Louis, c'est mon deuxième prénom. Et comme j'adore le vintage, donc j'ai fait un mariage de mon prénom, du vintage et aussi du Petit Lenormand. Donc, je vais me focaliser sur votre semaine et demander aux cartes de vous apporter la guidance que vous avez besoin pour cette semaine. Alors, on commence. Vous pouvez dès maintenant vous focaliser sur l'état, 1, 2 ou 3. Poser une question fermée, qui oui ou non. Et aussi demander une question cette semaine, quelque chose qui vous tient à cœur. Je vous laisse quelques secondes. Fermez les yeux, écoutez la musique et voilà, et concentrez-vous. Prenez le temps surtout, hein. Et faites confiance à votre instinct, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est le paquet qui vous est destiné qui vous appellera. Donc, on va commencer par le tas numéro 1. Je vais mettre les autres tas plus bas. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 1, vous avez choisi un tas qui est vraiment très bien. Parce que vous avez la clé, les poissons et aussi l'arbre.
Alors, cette semaine sera une semaine d'ouverture financière. Peut-être la semaine dernière, vous avez choisi le tas qui vous parlait un peu de faire attention à vos finances, qui avait des problèmes et des difficultés. Mais cette semaine, les choses rentrent dans l'ordre. Il y a des rentrées d'argent. Il y a, là, c'est pas vraiment une dépense, c'est plutôt de l'argent qui rentre après la clé. Et avec là, on voit que c'est quelque chose qui est bien enraciné. C'est pour le bien-être. L'arbre, c'est le bien-être, c'est la santé. Voilà, donc il y a une prospérité au niveau de vos finances. Je vois aussi si vous avez commencé un régime, si vous voulez perdre du poids, si vous voulez vous occuper de votre santé, on vous conseille ici de boire beaucoup d'eau avec les poissons, de faire attention à votre volume hydraulique, de boire de l'eau, de boire du thé aussi, l'arbre et les poissons, de l'eau, des tisanes, du thé vert aussi, c'est bien. Et cela va ouvrir un peu, comment dire, vous désintoxifier et va faire un flush, d'accord? Mais c'est une semaine qui est pas mal du tout, vraiment pas mal. C'est une semaine d'ouverture. C'est une semaine, pardon, de prise de conscience. Je redis encore personne. Donc je pense qu'on va parler aussi d'une personne qui a très à la santé, ça peut être un praticien. Donc, si vous êtes dans le domaine de la médecine, donc cette semaine, il y a des ouvertures qui arrivent pour vous. Il y a peut-être aussi une collaboration qui va s'ouvrir à vous avec le roi de carreau ici, une collaboration avec quelqu'un. Mais toutes vos démarches cette semaine seront prospères. D'accord? Il y a une réussite vraiment pas mal. D'accord? Et c'est quelque chose qui dure dans le temps, c'est une pérennité quand même qui arrive pour vous. Donc, très bonne semaine si vous avez choisi le tas numéro 1. Maintenant, si vous avez choisi le tas numéro 2, alors vous avez le livre, vous avez la faux et vous avez la maison. Alors ici, on montre bien qu'il y a la fin d'une information cachée. J'aime pas trop utiliser le mot secret pour le livre parce que ça met un peu trop de mystère, d'accord? Parce que des fois, c'est peut-être pas vraiment un secret, c'est peut-être quelque chose qu'on a omis ou oublié de vous dire. Et le livre ajoute ce côté dramatique à la situation. Parce qu'on dit livre, c'est secret, oui, voilà, il y a un secret inavouable qui est caché. Mais non, c'est peut-être quelque chose qu'on a omis de vous dire et qui sera révélé. Avec la faux ici, on voit bien que le secret s'ouvre. Et ça peut être quelque chose qui est lié à la famille, au père, comme on avait vu dans la description des personnes, au père, au patriarche de la famille. Ça peut être aussi quelque chose lié à un testament. Ça peut être aussi quelque chose lié à un contrat de maison, un contrat de propriété. D'accord? Donc, on a beaucoup plus d'informations qui arrivent sur tout ce qui concerne famille, sur tout ce qui concerne possession matérielle, sur tout ce qui concerne comment dire, le patrimoine, mais aussi sur tout ce qui concerne les possessions terrain, immobilière, les maisons, les immeubles et tout ça. Donc, on a une ouverture. Donc, si vous êtes dans les démarches sur ces choses-là, sachez que vous aurez des informations qui vont arriver cette semaine pour vous, ou peut-être que vous allez trouver des choses évidentes qui ne paraissaient pas peut-être évidentes avant, mais qui vont faire beaucoup plus de sens maintenant quand vous l'apprenez cette semaine. D'accord? C'est très bien parce que quand la faux sort dans un jeu, d'accord? Elle élimine tout ce qui vient à gauche. Vous voyez? Donc, secret, le secret est coupé, le secret est révélé, le secret est ouvert, l'information est révélée, l'apprentissage est terminé aussi. Voilà. Donc, peut-être que vous terminez aussi une formation dans l'aide à la personne, peut-être formation, si on voit le tas numéro 1 tout à l'heure, on a parlé de santé. Avec la maison, ça peut être aussi une maison de retraite. Donc, il y a pas mal de choses qui se concrétisent cette semaine pour vous. Et je pense que chacun va trouver son message dans cette combinaison de cartes. Parce qu'on me montre que cette combinaison de cartes est très riche pour beaucoup. D'accord? À vous maintenant de vous poser des questions et voir comment ces trois cartes-là peuvent
avoir un sens pour vous cette semaine. Et vous verrez qu'à la fin de la semaine prochaine, vous allez vous dire, ah, les cartes l'avaient prédit. Alors, il y a plusieurs choses qui viennent avec ces cartes-là. On a le serpent, on a la dame et on a aussi le cavalier. D'accord? Vous vous rappelez, quand on a fait la description des personnes tout à l'heure, on a dit que le serpent, c'est une femme, une ex-compagne, une maîtresse, et le cavalier, c'est un amant, quelqu'un qui est de passage. D'accord? Donc, alors, cette semaine, vous aurez peut-être affaire aux ex de votre vie. Peut-être aussi à prendre conscience que votre ex a toujours une place dans votre vie, voulue ou pas voulue, connue ou inconnue. Cette personne a toujours une place dans votre vie et elle influence votre vie amoureuse. D'accord? Les conseils des cartes ici vous disent vraiment de laisser partir cette influence, laisser partir cette personne. Peut-être que vous ne la retenez pas avec, comment dire, vous n'êtes pas consciente, mais peut-être le fait de ne pas, que vous ne l'ayez pas pardonné, elle reste dans votre vie quotidienne. Et à chaque fois, comment dire, vous vous dites, oui, c'est parce que c'est à cause d'elle que je suis comme ça, c'est à cause d'elle que j'ai eu tel ou tel problème, ma vie serait différente si il ou elle n'avait pas fait ça, si je n'étais pas manipulé, si elle ne m'avait pas trompé. Il y a beaucoup de si, de si, de si, de pourquoi. Donc là, maintenant, on vous dit de tourner la page parce que c'est une relation qui est toxique, c'est une relation qui ne va jamais pouvoir se concrétiser et qu'il est peut-être temps de faire le deuil et peut-être temps de tourner la page. D'accord? Alors, faites un examen de conscience et vraiment laissez partir cette personne parce qu'elle est toxique. C'est une personne qui vous a beaucoup séduit, c'est une personnalité qui vous a beaucoup captivé. Au début, peut-être, elle paraissait un ange, mais finalement, à la fin, elle vous a fait porter des cornes. Donc, il faut laisser partir et il faut vraiment laisser de la place aux nouvelles personnes qui sont prêtes peut-être à être, comment dire, charmées par vous et à être aimées par vous. Mais en gardant cette colère en vous, vous risquez d'empêcher les autres de vous atteindre, d'une bonne façon, je veux dire. Vous risquez d'empêcher les autres d'arriver, parce que regardez, la femme, elle est tournée vers le serpent. Le serpent, elle regarde ailleurs, dans une autre direction, mais vous ne voyez pas les autres opportunités passagères ou pas, vous ne le saurez pas si vous ne l'essayez pas. D'accord? Donc, faites un examen de conscience et vous verrez que les choses peuvent changer. J'espère que la vidéo de la semaine vous a plu et qu'elle vous a apporté encore une fois des lumières, des inspirations et aussi de la guidance. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et de poster vos commentaires et vos appréciations et je me ferai un plaisir de d'y répondre toutes. D'accord? Très bonne semaine à tous et je vous retrouve dimanche prochain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo sur le petit bonheur. Bonne semaine.